Bonsoir à tous, bienvenue dans la saison 2 du Geek Talk Show, une émission qui vous est proposée par Pixel et Alive, deux associations étudiantes de Neoma Business School, campus de Reims, par extension l'école de la convivialité. Allez hop, on commence par un dab, yes. Dab en compteur de dab, 1. À ma gauche, Victor. Enchanté, salut. Victor, comment ça va? Eh bien, Ryan, bien, très bien. Et à ma droite, Emeric. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Bah, moi ça bien. Va. On est bien, tout le monde est bien. Tout le monde a l'air bien. Oh là là. Donc du coup, petit changement pour cette nouvelle saison. Ton ordi vient de clamser, mais non, exact, on n'a pas vu. Exact. Petit changement, du coup, ces chroniqueurs, enfin du coup juste Victor, ne seront pas forcément tout le temps là pour et les oui, prochaines émissions. Je me fais vieux. En effet, Jamy. Pas sorcier. Mais arrête de me couper. On vient à peine de démarrer. C'est turbulent, Victor. Putain, oh, putain. Intenable. Merde alors. Du coup, vous verrez des nouveaux chroniqueurs pour les prochaines chroniques et qui devraient être là tout le temps, normalement. Et qui feront le show aussi, vous en faites pas. Du coup, les seuls rescapés de l'année dernière seront donc toi et moi, Ryan. Ben, normalement. Voilà, si tout se passe bien. Moi, je crève à la fin de l'émission. Ouais, comme Kenny. C'est un peu le Kenny du Geek Talk Show. On va commencer à le victimiser dès maintenant. Non, c'est bon, s'il vous plaît. Non. Okay. Non, pas encore. Alors, ah oui, on me le dit dans le chat, nouveau décor de qualité. Oui. En effet, notre première semaine de rentrée chez Live s'est constituée de monter un meuble sur des planches qu'on a mal découpées. Ouais, ça. À repeindre tout ça pour redégueulasser ensuite. Donc, oui, atelier Ikea. Ouais, on a fait joujou, on a été dégueulasse pendant une semaine à transpirer, mais voilà, le rendu, bon, il est pas fini, mais c'est déjà pas mal. Hein, bah oui, ça, c'est déjà mieux que l'an dernier avec un mur taché un peu partout. non mais en tout cas vraiment bravo à vous, enfin pour vous être motivé, lever le cul, pardon l'expression. Mais ah, il a dit un gros mot. D'avoir poncé les murs et de les avoir nettoyés avec leur petite éponge là, ouais, on vraiment a poncé bravo. Tous les murs à la main, pas avec une ponceuse, ça faisait mal ça. Il y a encore des taches, genre. Oh, tu te prends un coup. Oulala. Bah sinon je vous propose de commencer. Commençons. Ouais, faisons c'est parti. Ça. Alors on va commencer du coup par l'actualité geek de ce début de mois d'octobre. Ouais. Et premièrement, un truc qui personnellement m'a fait, je dirais, sortir de mes gants, une marque très connue de téléphone à la marque, au logo de... Ah oui, pardon, je parlais pas assez près du micro. Au logo de Pomme, qui donc a sorti l'iPhone... Enfin, donc oui, c'est Apple, vous avez compris. L'iPhone XS qui coûte 1155,28 €. Parce que la conversion en dollars, tout ça. Et l'iPhone XS Max qui coûte 1255,28 €. Alors ce n'est pas vraiment le prix qui va nous interpeller ici, mais c'est qu'il y a un problème de batterie. Encore ça, mais là, le problème de batterie, vous pouvez le voir sur la vidéo en bas à droite de votre écran. Et oui, on a investi, on a des moyens maintenant. Ah, cette année, on fait les foufous. Hein, ah ouais, attention. Vous n'êtes pas prêts. Et donc du coup, c'est une vidéo de la chaîne Unboxing Therapy. Attention, English accent. Ça existe encore l'unboxing, c'est plus interdit maintenant. Bah, lui, apparemment, sa chaîne, il fait que ça. Bon, pas que ça, mais bon, bref. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'en fait, ton iPhone, vous savez, par exemple, là, mon téléphone, il est en veille. Donc, et là, pouf, il est plus en veille. C'est un très beau Huawei. Merci. Ce placement de produit. Et donc les nouveaux iPhones, le XS et le XS Max, si tu les branches alors qu'ils sont en veille, ah ben la charge ne se lance pas. Et je, enfin, répète ça. Ouais, c'est ton téléphone chaud. Quand il est juste en veille, donc l'écran n'est pas allumé, ah ben si tu le branches, il charge pas. T'es obligé genre de l'allumer puis de le brancher pour que la charge se lance. Et quand tu payes ton téléphone si cher, mais j'étais complètement sur les fesses, si on peut dire. J'avais pas les mots. Mais oui, mais genre, t'as un... En gros, tu branches ton téléphone, tu vas faire autre chose et il charge pas. Ouais. Faut que tu sois à côté pour le laisser. Bah, apparemment, c'est un problème qui n'existe pas, vous savez, pour les chargeurs à induction. C'est les chargeurs où juste tu poses ton téléphone là-dessus. Apparemment, il n'y avait pas de problème. Mais quelqu'un a posé la question sur le forum officiel d'Apple. Ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Mais pour le moment, il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Ouais, je me suis renseigné vendredi. Il n'y a toujours pas eu de mise à jour, il n'y a rien eu. Mais enfin. Bah, nous, c'est les poires. Hein. Du coup, attends, c'est quoi? Attends, explique ta blague, j'ai pas compris. Je vais demander. Bah, mec, genre, je voulais accélérer pour pas que ça bide. Non, justement. En fait, il y a eu un bide et il a appuyé dessus. Allez, vas-y. Il y a un bide, au lieu de mettre le doigt dedans, on va mettre le bras. Donc, explique ta blague. Bah, les guignols de l'info.
Oui. Apple, nous c'est la pomme, vous c'est les poires. Jamais personne. C'est Chirac. Non. Mais non, mais Chirac. Vas-y, c'est bon. On skip. De toute façon, les guignols, c'était mieux avant. Allez, ouais, on est bien d'accord. Emeric apparemment nous entend pas assez bien. Ouais, c'était tout à l'heure, mais là du coup j'ai monté à fond. Normalement c'est bon, si on parle bien dans le micro, vous êtes censé nous entendre. J'espère. Et donnez des retours. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez mal. Et du coup oui, quelqu'un me demandait également si le DAB était encore autorisé. Voilà. Apparemment oui. Et voilà, et trop stylé ton t-shirt Emeric de Florent, merci. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? On parlait des iPhones, je peux pousser un coup de gueule parce qu'il n'y a pas que les iPhones, avec les téléphones Android, oh tiens, Huawei, coucou. Avec leur nouvelle idée de vouloir faire un nouveau chargeur universel, là c'est bien pratique, mais du coup c'est les écouteurs qui se mettent dans le truc du chargeur, donc du coup truc qui m'en fout. Il n'y a plus de prise jack, ce qui fait que quand je veux charger mon téléphone le soir à côté de mon lit, je peux plus mettre mon putain de casque pour écouter de la musique en même temps. Ah, je savais pas. Et ça rend fou. Voilà. Merci. Super. Mais Huawei vraiment c'est je trouve c'est leur ligne éditoriale, c'est vraiment copier Apple en moins bien. J'ai une copie, j'ai Alors attention hein. Ah non, mais mon téléphone maintenant j'ai un LG, mais Non, mais c'est très bien, mais c'est juste que leur innovation de merde, c'est pas de l'innovation, c'est de la régression. Mon téléphone, c'est une copie de l'iPhone 6, et je dois aller. Il doit être chargé en termes de mémoire à 70%, je dirais. Mm-hmm. Mais il lag sa race, on dirait un PC du collège. C'est impressionnant. Les trucs, on s'amusait à retourner les fonds d'écran, et que du coup, les madames du CDI, elles savaient pas comment le retourner. Oui, voilà, ces fameuses machines. J'ai pas fait ça. Je ne vois pas de quoi ils parlent. Non, mais je sais pas si tu te souviens quand ça buguait tellement que tu faisais ça avec ta fenêtre. Ouais. Ça, c'était mon téléphone est capable de le faire, c'est super. C'était la belle époque. Bon, bref, j'ai assez ragé sur mon téléphone. Laissons place à un peu de magie, quelque part. Laissons place à un peu de magie. Il y a, il me semble que c'est vendredi ou peut-être un peu avant, un trailer qui a fuité. Apparemment, ce serait un role-playing game, un RPG Harry Potter. Oui. Où on pourrait choisir différentes classes de magiciens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, on a très 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 peu d'infos parce que c'est sorti tout récemment et c'est pas une un petit trailer. Leak quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est que tu peux envoyer le trailer? Que j'ai pas réussi à prendre parce que la qualité était trop merdique. C'est un leak, c'était pompé déjà en 1080 HD, enfin ça passait pas, donc là le dessus vous aurez vu des pixels qui bougent. Ok, ça va. Voilà. Bah, du coup, ce que je fais, je vous envoie le lien dans le chat. Si jamais vous voulez aller jeter un œil. Mais du coup, est-ce que vous l'avez regardé, vous? Je l'ai regardé. Mais du coup, peut-être avant de continuer, est-ce que Ryan, tu peux expliquer ce qu'est un RPG pour peut-être les personnes qui ne savent pas ce que Bien c'est entendu. Un RPG. Un RPG, du coup, c'est un jeu de rôle, comme son nom l'indique. Vous allez incarner un personnage, vous allez choisir une grande majorité de ses caractéristiques, sa taille, son physique. Là, je sais pas si son poids sera, mais bon, son sexe, ses cheveux, etc. etc., etc. Et du coup, c'est vraiment un jeu où le personnage est au centre de l'histoire, un peu comme les Zelda, n'est-ce pas? Tout à fait. Oh, mon jeu préféré. C'était du sarcasme. Commencez pas. Ça, seuls ceux qui ont suivi la saison 1 le savent. Oui, c'est vrai qu'il y a des rêves. Petite référence à la saison 1. Ouais. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros, Emeric se plaignait de dans Phantom Hourglass j'ai galéré, etc. Et quelqu'un lui a dit dans le chat, mais t'es complètement débile, fallait aller à gauche. Et là, le taux de salinité dans mon sang a évolué fois 200. Voilà, il était très très salé. Et du coup, voilà, c'est apparemment ce genre de jeu qu'on aurait pour Harry Potter. Mm-hmm. On n'a aucune idée de quand ça va sortir. Et Warner ont une idée, un peu débile. Ouais. À chaque fois que quelqu'un publiait le trailer en qualité dégueulasse sur YouTube, il le strikait. Donc en gros, il disait à YouTube, retire-le. Mais en fait, ça fait que confirmer la rumeur. Plus, le truc est con, c'est que le leak, maintenant, t'as plein de faux leaks. C'est une technique marketing pour faire vendre le produit, de faire leaker tes trucs. Donc en fait, même si c'est pas toi qui veux le faire leaker, laisse leaker. Vous avez rien perdu. Mais ça aussi, on le voit, Battlefield 1 qui leak, là, le leak, on voit que c'est un leak, ça veut dire fuite en anglais. Pardon. On en parle depuis tout à l'heure. Et en gros, tu sais, c'est un trailer filmé au téléphone sur un écran et tout. Mmh. Mais Activision, ils te font oh là là, une vidéo à leaker alors que c'est Battlefield 1 en 4K. Vidéo super bien montée. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était au départ pour une bêta, c'est ça, je pense, une bêta fermée. Ouais. Où ils demandaient à des utilisateurs leur opinion sur. T'es sûr ? Il me semble, c'est ce que j'avais mis sur le lien. D'accord. C'était pour une bêta. Et donc, ça fitait effectivement.
Mais ça explique peut-être la qualité de la vidéo. Oui, bah ouais, ouais. Et mais inévitablement. C'est pas encore au point, il faut attendre un peu avant que le jeu sorte. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans le futur. En fait. Mais en même temps, bon, moi j'attends de voir ce qu'il va donner ce jeu, hein. Je suis curieux. Curieux. Dites-nous votre avis dans le chat, hein. Si vous l'attendez, si vous l'attendez. Abonne-toi, mets la cloche, laisse pouce bleu et restez bien jusqu'à la fin parce que c'est important. Bon, la référence. Ne t'en va pas. Et du coup, si on partait vers des entendues un peu plus sportives et beaucoup moins magiques, FIFA 19, est-ce vraiment une révolution? Il a été noté 15 sur 20 par jeuxvideo.com qui sont connus pour être assez, comment dire, sans être méchant, assez gentils. Ils sont assez gentils avec les jeux, on va pas. Ouais. Voilà, ils vont pas mettre un 2 à un jeu qui est juste un peu moyen. Et en fait, les nouveaux ajouts sont juste la Ligue des Champions, qui est le championnat européen des plus grands clubs d'Europe. Mmh. Des règles alternatives pour le mode coup d'envoi, donc c'est le mode 1v1 que tu fais vite fait durant une soirée pizza. Ouais. Et un mode aventure. Et c'est tout. Enfin, voilà, ouais. Enfin, je trouve, à titre purement personnel, que Emric d'ailleurs s'est trompé sur. Non, c'est bon, pardon. Je jette la pierre à quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Oui, donc du coup, je trouve ça un peu abusé. Bon, après, c'est le même débat à chaque année. Est-ce que FIFA, c'est vraiment un nouveau jeu et tout? Bah, c'est une franchise, hein. Ça, c'est les mêmes jeux qui ressortent avec quelques petites améliorations, mais c'est comme pour iPhone. T'auras toujours des gens qui vont acheter parce qu'ils savent que c'est de bonne qualité. Enfin. Bah, je parle pas du téléphone, je parle du jeu, bien évidemment. Mais, ce qui t'embête, c'est le manque d'innovation. Le manque d'innovation. Bah oui, oui. C'est un peu ça. Je sais plus qui avait dit ça, parce que j'ai regardé du coup pas mal de vidéos tests du jeu pour m'en renseigner, parce que j'ai pas encore pu me mettre la main dessus. Mais en gros, c'était FIFA, il change vraiment de graphisme de tous les 2 ans. Ouais. Entre FIFA. Mmh. Attends que je dise pas de bêtises. Entre FIFA 16 et FIFA 18, tu peux voir un changement de graphisme. Mais de l'un à l'autre, c'est pas flagrant. Et enfin. Je trouve que ça justifie pas une nouvelle sortie. Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de nouvelles features pour en faire un nouveau jeu. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Mais je suis assez d'accord. Bah, c'est récurrent, quoi. C'est-à-dire que tu as toujours les mêmes modes qui sont bien, cela dit. Oui, bah oui. Mais quand tu as un nouveau jeu qui sort chaque année, tu t'attends à avoir un petit peu une amélioration, une innovation. Ouais. Ouais. Pas que les joueurs, le nom des joueurs qui changent ou les équipes, tu vois. Mais franchement, je trouve même Activision avec Call of, ils font beaucoup plus d'efforts que FIFA. Hein. Même si Call of, on les a critiqués pour faire un peu n'importe quoi et pas écouter la commu et tout. Mais d'un autre côté, pour FIFA, après, quel genre d'innovation on peut faire? Est-ce que le jeu n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait proposer, entre guillemets? Enfin, non, on peut toujours faire plus. J'avoue que je verrais pas comment développer la chose. Bon, après, en même temps, faut dire, les seules fois où j'ai joué à FIFA, je m'amusais juste à casser les genoux des gens en face. Là, dans FIFA 19, tu pourras le faire sans avoir de carton, parce qu'il y a le mode sans arbitre. Bah, ça, c'est vachement bien. Je sens que je vais encore perdre, moi. Ça, c'est le premier jeu FIFA auquel je jouerai avec plaisir. Ça va tacler. Ils ont changé plein de trucs, les poteaux des cages disparaissent, les mouvements des joueurs sont zarbis avec des jambes qui se plient en quatre, du grand progrès. Comme d'hab en fait. Oui, c'est quand le jeu sort et t'as toujours des mises à jour et tout. Mais ça c'est, bon, c'est, on sort un peu du sujet, mais c'est un truc qui m'énerve, que les jeux sortent pas finis et t'as toujours une mise à jour genre qui fait 2,8 Go, enfin même j'abuse. Alors après ça, faut savoir que quand les jeux sont programmés, sont prévus, ils ont une date de sortie qui est fixée. Ouais. Il faut absolument que les jeux sortent à ce moment-là. Et en fait, t'as toujours un rush pour débugger les jeux. Okay. Et parfois, c'est pas. Les programmateurs, ils ont une date limite butoir où ils doivent absolument sortir le jeu. Ah, mais ouais, j'en suis conscient, mais cette date. C'est comme l'industrie ciné ou quoi que ce soit, ils ont des blocages. Pour ce qui est du jeu vidéo, ça peut pas être repoussé parce que t'as tout ce qui est programme marketing et tout qui est fait en amont, qui est fait avec. Et c'est pas possible de repousser. Mais et donc, s'il y a des bugs qui sont. Il faut pas que je parle. Non, mais vas-y, je t'en prie. Mais juste que du coup, s'il y a des bugs qui restent, ils sont obligés de les corriger après, quoi. Mais parfois, il y en a qui trouvent pas, qui démasquent pas avant que le jeu sorte. Mais c'est bon, puis-je? Oui, tout à fait. J'ai fini. Mais comme tu disais, c'est des arguments marketing. Mais du coup, Emric parlait de cinéma. Ce serait impensable qu'un film sorte pas fini. Oui, alors qu'un jeu, déjà il faut l'installer sur ta console, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, je vais pas me plaindre parce qu'on a des jeux beaucoup plus beaux. Je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, la mise à jour Day One, elle rend fou, je trouve. On attendra le 2020. on attendra l'année prochaine pour avoir des améliorations. Il y a Florent dans le chat qui dit du foot dans l'espace, je veux voir ça. Mais franchement, c'est un projet de grand football. Galactic football. On est là, ça a l'air là. Clairement.
Ah, carrément. Victor, il va investir. Et ah, moi direct. Moi, Vas-y, go. Moi, je fonce. Est-ce qu'on te laisserait pas la parole ? Oui, tout à fait. Pour continuer. Transition. Et donc, Victor, pour la chronique Otaku, la chronique manga. Culture japonaise, exact. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Log Horizon. Ah ! Tout à fait. Si tu connais. T'es sûr que c'était celui-là dont tu devais parler ? Alors, en fait. Non. Alors, en fait. On a changé. Mais attends, au pire, si tu veux, je parle de celui-là, vite fait. Mais... Non, mais attends. Ça va être compliqué. Victor, il est en mode. Non, mais je parle de celui qui a affiché, moi, j'ai rien à foutre. Hein. Alors, est-ce que tu peux me m'épeler ? Ok. Log. L-O-G. L-O-G. Désolé pour cette. Bah oui, quand tu changes de chronique, faut te dire quoi ? Log Horizon. Horizon. Horizon comme, avec un Z. Avec un Z. Exact. Et un K à la fin pour la liaison ? Non, c'est bon, c'est comme ça. Sans va. Le K, ok. Bon, on va. Vous avez rien vu. Voilà. Voilà. Du coup, de quoi vas-tu nous parler ? Ah, attends, quelqu'un va te faire danser le limousin dans les commentaires. Oui, non, non. Non, mais. Alors, je ne suis pas d'accord, Colin. Je ne suis pas d'accord. Ok, bon. Dis non. Vas-y. Tu peux continuer. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, c'est un manga. Alors, tout à l'heure, Ryan parlait de RPG. Et donc là, moi, je vais vous parler de MMORPG. Hmm. C'est donc la même mais chose. Que veut dire MMO ? Voilà, ouais. Exactement. Massive Multijoueur Online Player. Oui, et t'as rajouté un P. Player Game. Et donc, c'est la même chose qu'un RPG, sauf que ça se joue en ligne, avec d'autres personnes du monde entier. Voilà. Mm-hmm. Et donc, le principe de ce manga, donc qui est un animé depuis 2013 d'ailleurs, c'est que c'est basé sur un MMORPG où que 20 millions de personnes jouent. Donc c'est fictif, hein, mais c'est un MMORPG que 20 millions de personnes jouent. Ouais. Et tu as 30, il y a une extension, qui est donc une mise à jour, qui a été faite sur ce jeu. Et tu as 30 000 joueurs japonais qui ont été emprisonnés dans ce jeu lorsqu'ils ont installé la mise à jour, en fait. Et donc tu suis, l'histoire c'est que tu suis un groupe de joueurs high level qui se retrouvent dans ce jeu. Et donc leur but c'est de trouver un moyen de rentrer chez eux. Donc ils sont enfermés dans ce jeu. Attends, mais pourquoi ils sont bloqués ? Et ils ont été emprisonnés dedans, en fait. It's si a trap. Login, exact. Ok. Ils ont été login dedans, quoi, et il faut qu'ils trouvent un moyen de s'en sortir. Tu peux pas te déco. Voilà, c'est ça, tu peux pas te déconnecter. Ok. Et si tu claques, tu claques vraiment. Et alors non, justement. Ah. C'est différent de Sword Art Online, pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'était ça, oui, je comprenais. J'ai peut-être un peu crié dans le micro. Sur le même principe. Justement, la particularité de ce monde, c'est que les aventuriers, donc les joueurs qui ont été amenés dans ce monde, quand ils meurent, ils reviennent à la vie. Ok. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent un peu faire tout ce qu'ils veulent, tu vois. Ils n'ont pas de limite. Et dans ce monde, tu as aussi les habitants qui étaient là au départ, qu'on appelle les habitants du pays, qui eux, du coup, doivent gérer leur relation avec les aventuriers. Donc, okay. T'as plein de jeux de pouvoir comme ça entre les deux groupes. Et c'est un manga vraiment très intéressant parce que c'est pas axé que sur l'action. Disons que l'histoire peut se dérouler un peu lentement parce que y a pas mal de comment dire le plot du manga. L'intrigue, merci, chercher le mot. C'est intrigue. Désolé. L'intrigue du manga en fait passe pas mal par les conversations. C'est vraiment un manga centré sur la stratégie où en fait ils se retrouvent dans ce monde-là mais ils ont aucune information, aucune indication sur comment faire pour rentrer chez eux. Et donc, okay. ils doivent eux-mêmes se débrouiller pour récolter des informations, faire en sorte de survivre, puisque du coup, s'il n'y a pas de loi, tout le monde fait un peu comme il veut. Et donc, c'est un très très bon manga, très complet, ou beaucoup plus complet que Sword Art Online, pour ceux qui connaissent, où en fait, tu découvres vraiment l'univers avec eux, et tous les petits détails servent en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le mangaka qui a fait ça, chaque petit détail qui fait rentrer. T'as plein de fusils de Chekhov, quoi. Ouais. Dès que t'as un truc, ça ressort. T'as plein de petits trucs qui, à la fin, ça fait une accumulation et bam, t'as une explosion dans l'action qui est vraiment sympathique à voir. Et donc, c'est un super manga que je conseille. Si vous aimez les jeux de stratégie et des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, donc, je suis assez voilà. D'accord avec Clara dans le chat. Ça ressemble vachement à Sword Art Online. Hein. Exact. Mais alors, on a eu une vague. C'est plus poussé, franchement. Okay. Sword Art Online, disons que. Alors, Sword Art Online a été créé avant, effectivement. Mais Sword Art Online, quand ils sont emprisonnés dans l'univers, ils ont déjà un objectif, ils savent comment faire pour sortir, si tu veux. Donc, tu suis les combats, etc. Et Log Horizon, c'est vraiment l'évolution à l'intérieur du monde qui est sympathique à voir. Okay. Et c'est. Je conseille vraiment ce manga, un grand coup de cœur pour moi. Parce que
enfin tu découvres l'univers en même temps que les joueurs et en fait les personnages, tous les personnages introduits sont vraiment développés. Tu comprends leur intérêt. Ah ouais, t'as pas genre un vieux pecno qui sert à rien. T'as pas un vieux pecno qui a l'air un épisode et qui clame, c'est voilà. Et c'est ça, c'est vraiment sympa. Okay. Ah, c'est cool. C'est un truc réfléchi sur sa globalité. C'est très réfléchi. Okay. C'est vraiment sympathique et donc je le conseille vraiment. Mais il y a eu une vague il y a quelques années après, enfin qui ont voulu surfer sur le succès de Sword Art Online, plein de mangas comme Axel World, Overlord, Log Horizon, où en gros c'était, je balance des licences. Il a raison d'écouter. Mais en fait c'est qui reprenait le même pitch de base, c'est juste on est dans un monde virtuel et faut sortir. Il y en a plein qui m'ont pas donné envie et je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu ce manque d'originalité? Celui-là était franchement très bon et t'as en l'occurrence t'as 2 saisons de 25 épisodes. Oh, ça va, c'est cool. Et on attend la saison 3 peut-être, mais il y a des problèmes de droit d'auteur. Donc on verra bien. Et je vais mettre du coup le lien du premier épisode dans les commentaires, je pense. De manière légale? T'inquiète. Oui, alors. Non, mais il va mettre le trailer. Je peux vous mettre YouTube si vous voulez. Non, mais alors, c'est pas pire. Si vous voulez plus de renseignements vis-à-vis de cette œuvre artistique de type Otaku, tout à fait. Envoyez un MP à notre cher Victor Martin qui saura vous expliquer comment vous le procurer de manière totalement légale et raisonnable. Mais je pense que c'est légal, c'est des sites de streaming avec des pubs, donc du coup, ça doit être légal. Ça n'a aucun c'est sens. Subventionné à Skip. Mais mec, c'est pas parce que genre c'est sur YouTube que. C'est pas parce que c'est en Russie que c'est légal. Je ne parle pas du c'est, ouais. C'est normal. Est-ce que vous avez Russie. Retenu la morale, les enfants? Si vous y avez accès, c'est que c'est légal. Tout à fait. Non, c'est pas ça. C'est s'il y a des pubs, c'est légal. C'est légal. Bon, en vrai, hein. Ok. Mais en vrai, sinon, Victor, moi qui suis plus comics et qui ai vraiment beaucoup de mal avec les mangas, de ce que tu m'en as dit, ça me titille un peu. Ça te titille. Ça me titille. Moi, je te conseille. T'as pas mal d'humour, à un moment donné ça peut paraître rébarbatif, mais il faut aller au-delà parce que c'est très très complet. Ok. Franchement, je conseille. Et du coup, si vous voulez le lien du premier épisode, envoyez-moi un MP. Ouais, envoyez plein de MP à Victor Martin. Mais non, on n'a dit pas le lien du trailer. Hein, le lien du trailer pour qu'ensuite vous puissiez acheter ce qu'il convient d'acheter. Voilà. Et du coup, je laisse la parole aux autres pour la chronique. Merci Victor. Je vous en prie. Merci en prie, beaucoup. Et donc, exactement, on va passer au débat. Donc du coup, ça ne concerne personne, je suppose, dans le chat. Mais si vous êtes... si vous avez plus de 17 ans, que vous vivez aux États-Unis, que vous avez un compte Google et un compte Ubisoft, bien sûr. Depuis vendredi, vous pouvez jouer à Assassin's Creed Odyssey depuis votre fenêtre Google Chrome. Et, American Dream. Ouais, voilà. Peut-être que petit ça flop. Peut-être que ça rejoint le rêve américain, on ne sait je pas, suis Victor. Jaloux. Je suis jaloux. Et donc, du coup, ce projet s'appelle Project Stream, qui est lancé par Google. Et donc du coup ils ont lancé le trailer, mais sur le trailer il y a genre zéro lag. Ah ouais, non. Enfin, je sais pas si c'est possible. Dans le trailer qui est en train d'être diffusé actuellement. Tout à fait, que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Et je crois que j'ai orienté le mauvais côté en plus comme un blaireau. Je suis sûr que vous me pardonnez. Ouais, mais c'est zéro lag du coup, c'est... Est-ce qu'ils l'ont fait tourner vraiment sur le cloud ou C'est ça qui m'étonne. Le cloud gaming, ça se répand de plus en plus. Il y a Nvidia qui est une marque de cartes graphiques, un composant d'ordinateur. Est-ce que tu expliquerais ce que c'est que le cloud gaming pour les... J'y viens. J'étais en train de le faire. Mais je te remercie. Non, on va rester tranquille. Tu commences pas, on est là, on est non, chill. Non, mais voilà, mais parce que tu commences à en parler vite. Mais si, j'arrive. Nvidia propose un service comme ça. Shadow, qui est une marque française aussi. Enfin, Shadow, c'est un peu différent, j'y reviendrai. Le cloud gaming, en gros, c'est pouvoir jouer à un jeu vidéo sans l'avoir. Mais donc, du coup, comment est-ce qu'on y joue? Eh oui, c'est de l'art. Oh, bah dis donc. Comment ça se passe? Back. Et donc, du coup, Google va avoir le jeu dans ses serveurs. Et quand vous allez y jouer, en fait, vous faites juste que vous connectez à ce serveur. Donc, du coup, pour parler un peu de manière crue, il faut avoir une connexion de bâtard. Soit la fibre, soit du très haut débit. Pour que ça tourne bien. Et donc du coup voilà, Shadow, eux, c'est pas seulement du jeu vidéo, en fait vous pouvez émuler un PC. On n'est pas du tout en partenariat avec eux, même si on aimerait bien. Mais en fait vous pouvez avoir accès du coup aux meilleurs composants qui sont sur le marché, ou même si c'est pas les meilleurs, mais enfin pour l'utilisation gamer ou pour faire du montage, ça suffit très très largement. Et pour 30€ par mois, je vais arrêter la pub. Mais oui, voilà, en gros, le cloud computing avec Shadow, c'est ça, c'est utiliser un ordi qui n'est pas chez soi, donc dans le cloud,
Et le cloud gaming, c'est jouer à un jeu qui n'est pas chez soi. Est-ce que j'ai été clair? Je sais ouais, pas. Dites-moi dans le chat si je vous ai pas perdu. Tu pourrais peut-être répondre à une question de Clara qui demande si on doit payer un abonnement. Alors, eh bien, pour Shadow, okay, du coup, oui. Mm-hmm. Mais pour le test actuel du Project Stream de Google, pour le moment, c'est gratuit. Pour le moment, il n'y a rien à payer. Bah, comme je disais, il faut juste avoir les comptes. Pour le moment. Oui, voilà, pour le moment. Je pense dans 4-5 jours, ouais. ça va être cut et ça va être bon, bah, si vous voulez y jouer, machin. Va falloir payer. Il y a moyen. Et du coup, vous positionnez comment par rapport à ce cloud gaming, vous? Bah moi, honnêtement, je pense que je jouerai à certains jeux en cloud, genre des jeux où je suis pas trop sûr de si j'ai envie de les avoir ou pas. Ouais. Mais sinon, l'occasion, genre, je continuerai à aller dans les boutiques de jeux vidéo. Parce mais que... ouais, c'est ça moi, c'est fait, même si l'heure c'est à la dématérialisation, oui. Moi, le fait de pas voir mon disque. Au niveau des genre DVD jeux, je suis matérialiste. Making. J'ai besoin d'avoir mon truc. Ouais, ouais. Genre, je ça se comprend. Ouais, voilà. On avait déjà le débat l'an dernier sur Netflix va-t-il tuer le cinéma. Et du coup, la problématique revient avec ce cloud gaming. Toi, ça te tente de jouer sur Google Chrome? Bah franchement, oui, parce que je t'avoue que j'ai pas de console. Enfin, j'ai pas la place d'avoir des consoles actuellement en résidence étudiante. Donc sur les PC comme ça peut être une alternative pas mal. Après il faut voir au niveau de la qualité parce que effectivement si c'est dématérialisé etc. Alors je pense que ce sera de la bonne qualité, mais s'il faut payer très très cher pour ça, si c'est genre un abonnement par mois etc. Bah je pense pour, que pour ce deux, sera deux, ça. Ouais hein. Mais pour combien de jeux? Pour 2-3 jeux? Pour enfin franchement à voir. Mais du coup enfin par rapport à ça quel est l'avantage genre par rapport à Steam ou à d'autres plateformes comme ça enfin concrètement? Bah Steam si tu veux un jeu tu dois l'acheter, après il est à toi tu vois. Bah oui. Mais je n'ai pas compris alors t'as ah t'as non là en fait non tu t'as avec ça t'as accès à genre à full jeux, oui. Mais t'as juste abonnement à l'accès ça. Bah pour le moment on ne connaît pas leur modèle économique ouais. On sait pas business model voilà école de commerce. Ouais, vas-y, non, là c'est 18h34, y'a pas d'école de commerce qui tienne. C'est la fatigue. Le mec, mais t'es un professionnel du beat, genre. Ouais, carrément. Les dernières émissions, c'était la même en plus, je crois. Le beat, c'est ma marque de fabrique. Ouais. Mais Victor. T'as surpassé Gonel quand même. Et la répartie aussi. Je sais même pas s'il regarde en vrai, du coup, je t'avoue que j'allais te faire une référence, mais bon, tant pis. Tu sais pas si qui regarde? Si Gwenel regarde. Non, je crois qu'il regarde pas. Attends. Ou alors, Gwenel, si t'es parmi nous, mets un commentaire intelligent. Je sais que tu vas pas le faire. Peut-être que tu regardes pas d'ailleurs. Et donc, après cet aparté, voilà. Oui, oui, oui. Bah, moi, je me pose beaucoup de questions dans est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Bah, je sais pas, parce que je me dis si tout le monde s'y met, qu'il y a les infrastructures nécessaires pour suivre? C'est ça. Parce imaginons tout le monde rend des cours à 18h30, tout le monde veut jouer à Assassin's Creed, faut le faire tourner. Alors, après, moi là-dessus, je voudrais rajouter un point quand même, ce serait par rapport aux plateformes qu'on a déjà, où effectivement, si tu pars là-dessus, sur la dématérialisation, tu risques d'avoir plein de jeux et ça risque de enfin tu risques d'avoir des jeux qui sont noyés là-dedans, c'est-à-dire que tu ne pourras pas survivre à cause de ça, et donc ça c'est aussi un point à soulever. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as une console etc, bah le disque tu l'achètes, tu l'as, tu sais que tu l'as. Quand tu vas sur des trucs comme le cloud gaming, si tu as énormément de suggestions de jeux, il y en a forcément que tu ne verras jamais et peut-être qu'ils seraient très bien mais tu ne pourras pas savoir. Ouais c'est vrai. Bah, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est super pertinent. Assassin's Creed Odyssey d'ailleurs, il va être disponible sur Switch par abonnement au Japon. Ouais. Mais en fait, c'est super chelou parce que il va être disponible genre un truc comme 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais je me dis, tu vois, c'est super dommage pour quelqu'un qui va acheter sa Switch dans 2 ans, il découvre Assassin's Creed Odyssey, au bout de 2 semaines, il peut plus y jouer. Ouais, c'est un peu con dans l'idée. Ouais. Bon, après, d'ici là, peut-être que de nouveaux Assassin's Creed seront sortis, on suppose, mais... Est-ce qu'on a le temps pour parler un petit peu du jeu ou pas, tu penses? Honnêtement, je le connais pas. Genre, il me tente pas mal, mais j'ai l'impression juste que c'est un RPG. Genre, c'est un peu ça. Bah, c'est un peu après, ça. Je vais faire mon churme avec l'Assassin's Creed, ce que je disais avant l'émission. De toute façon, après le 3, ça m'intéressait plus parce que ce qui m'intéressait vraiment dans Assassin's Creed, c'est la dualité passé-présent et maintenant l'histoire au présent. Oui, elle sert à rien. Mais même dans le 3, je la trouve vraiment pas très utile. Hein. Le 3, c'est ce qui finit l'arc au présent, non? C'est pas le 3 qui finit l'arc au présent? Je t'avoue, après le 3, je me suis arrêté, ça m'a gonflé. Enfin, je pourrais dire la fin du 3 si ma mémoire correspond, mais je spoilerai. Non, le Black Flag, c'est le 4. Ouais, oui, mais c'était toujours dans le...
toujours la continuité, non? Black mais il y a. Enfin, effectivement, il y a encore une histoire au présent après, ouais, mais qui n'a pas de sens. C'est juste balai, vas-y, balade-toi dans les bureaux et. Okay. Voilà. Mais. Non, après, moi, ce que j'ai vu un stream, enfin, justement, un test de ce jeu en stream. Et apparemment, alors, c'est un super jeu, hein, mais il manque ce côté classique des Assassin's Creed, ouais, où tu joues sur la furtivité. Où effectivement c'est beaucoup plus dans le role player game comme disait Ryan. Et alors tu peux toujours jouer en furtif, mais c'est apparemment beaucoup plus difficile qu'avant. Et tu vois, vas-y finis. Tu perds un peu de ce qui ce côté vraiment très furtif de Assassin's Creed et de toute la saga en fait. Mais on y va plus en bourrinage du coup. Ça s'appelle Assassin's Creed et j'ai l'impression que dans les trailers le gars il joue random romain, tu vois, qui va casser des culs. C'est un peu ça. Mais après, franchement, à tester quand même. À voir, ma foi, oui, à voir. Mais j'ai pas la hype, moi, en tout cas. Mais Ouais, j'ai envie de tester, mais je me dis pas que... Je suis curieux, mais... Avec curiosité, mais pas... C'est ça. Curieux par curiosité, exact. Je crois que c'est la phrase la plus intelligente que j'ai Alors, franchement, j'ai pas voulu la souligner vu qu'elle est passée. Je me suis dit, on va enchaîner, mais vu que tu le fais... Ouais, vas-y. Non, si je tacle Victor, faut que je me tacle aussi. Voilà, ah, merci, je suis gentil. Bisous. Est-ce qu'on passerait pas à ta chronique ciné, MX? On peut passer effectivement à ma chronique ciné. C'est une possibilité, ma foi, possible. C'est une possibilité possible après la curiosité par curiosité. Ah, on n'est pas là pour être ici, nous. Ah, on n'est pas venu là pour être ici, effectivement. Bien, moi, les enfants. De quoi vas-tu nous parler? Moi, au début, je voulais aller voir les Frères Sisters au cinéma. Et puis je me suis rappelé que j'étais en PEA absolument pas FIFA. Donc j'ai eu très peu de temps pour aller au cinéma, voire pas de temps. Donc je me suis dit, bah allez, farfouille dans tes DVD, qu'est-ce que tu vas sortir. Et je me suis rappelé que j'aimais beaucoup un genre cinématographique qu'on appelle le genre du nanar. Mais qu'est-ce que le nanar? Mais qu'est-ce que le nanar? Eh bien, ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par présenter rapidement le film dont je parlais et je viendrai ensuite sur ce genre-là. Ça vous va? Fais donc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2019 après la chute de New York, et je sais qu'il y a des gens à qui j'ai fait mater dans les commentaires, je suis désolé pour vous avoir forcé à le regarder. Je suis sûr que vous en gardez des bons souvenirs, je suis sûr. Comment ça, tu les as séquestrés, genre tu leur as fait « regarde ». Je leur ai dit « venez, on va voir un film chez moi ». C'est la bande annonce, c'est ça. Ils étaient pas prêts. Je suis en train de regarder le trailer là, mais c'est quoi ce truc? Vas-y, pardon, continue, je regarde le trailer. C'est un bon nanar. Il s'agit de 2019 après la chute de New York, donc réalisé par Sergio Martino. Où on a, je peux vous donner les acteurs principaux, mais vous les connaîtrez pas, donc on s'en fout. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont fait d'autres films. Généralement, un nanar marque la fin de la carrière d'un acteur, non? Donc voilà, c'est une production franco-italienne de genre science-fiction et post-apo. Le film dure 91 minutes et est sorti en 1983. Le film dure 11 minutes? 91. Putain, de 4 à 11 minutes, j'avais compris. Non. Et voilà, donc je vais vous parler un peu du background. Donc ce film, donc post-apo, qui est un film post-nucléaire, post-guerre nucléaire, et ça a été assez marquant dans les années 80 parce que c'était une période quand même où la peur de la guerre nucléaire était encore présente. Et donc ce film est né, et donc par rapport au background du genre, Martino, connu pour son cinéma bis italien avec un imaginaire assez vu et revu, carton-pâte, mais donc nous a apporté ce film. Qui est à la fois un demi-plagiat, une grosse inspiration de Mad Max 2 et 3 de George Miller. Ouais, ça ressemble beaucoup. Hein. De New York 97 de John Carpenter. D'ailleurs, coucou Metal Gear Solid qui a repris le nom de Snake en hommage de ce film New York 99, 97, pas la merde dont je suis en train de vous parler. et donc aussi, grosse inspiration de La Planète des Singes, la première saga faite par trois réals différents dont j'ai plus les noms en tête. Beaucoup de références du coup. Ah oui, mais en fait c'est un pot-pourri cinématographique, mais mal fait. maladroit à la limite du grotesque. Mais en vrai rien ne va, le son, le cadrage, la ting, c'est ignoble. Voilà, donc si vous aimez le cinéma, bah c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est pour ça que j'adore ces films. Et vraiment, je suis juste en train de regarder le trailer et sans le son, et ça se voit qu'il joue mal. C'est incroyable. C'est fou. Le seul petit point positif niveau son, c'est la petite vieille musique synthwave qui est pas trop compliquée à foirer parce que tu la programmes, t'appuies sur une touche et ça se fait tout seul, donc ça va. Donc, mais en réalité, ce film est très très bien. Mais genre, je vous parlais de nanar. Qu'est-ce que c'est un nanar? Dans le langage familier, on va dire que c'est un film mal réalisé, ridicule, qui devient involontairement amusant et comique, peut-être.
Ça doit être ça, la première ligne de Wikipédia, j'imagine. Voilà. Mais on confond souvent nanar et navet. Mais le nanar, ça amuse par ses défauts. Si vous voulez, tandis que le navet, c'est simplement de la merde. Et que c'est de la merde. Tu veux dire comme Jurassic World ? On commence pas. Oh là là. Non, en vrai, Jurassic World, je l'ai pas trop. Ça allait. Mais alors, le 2, mais mon dieu. Je l'ai pas vu, le 2. C'est pas grave. Ah oui, non, je parlais du 2. Ah ouais, le 2. D'accord, mais je n'ai pas. Oh là là. Mais effectivement, voilà. Ça avait l'air pas très fit. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, le Nanar, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient intéressant. Et c'est pour ça que j'adore ce genre de film, parce qu'il y a tellement rien qui va que limite on se dit c'est la fait fin, exprès. C'est que du troll. Mais t'as quelque chose, t'as un univers qui sont quand même dans ces films qui est hyper intéressant à étudier. C'est cool. Voilà. Mais donc on le confond aussi parfois souvent avec du cinéma bis. Donc je disais que le réalisateur faisait du cinéma bis. Le cinéma bis, c'est juste un film à gros budget. Enfin, qui est censé être à gros budget, qui n'en a pas. Ce qui fait que ça finit souvent à faire de la série B, série Z, voilà. Grosso modo. Donc, pour revenir sur le film. Attends, il y a Colin qui est en train de se foutre de ma gueule. Le nanar amuse par ses défauts, tandis que le navet est simplement mauvais et ennuyé. Emmerich se plage à Wikipédia. Ben oui, je vous l'ai dit. Enfin, en même temps, il n'y a pas 36 définitions. Bah oui, voilà. Donc, sinon... Tu noteras qu'elle est allée chercher quand même, je pense. Et Colin, mais t'es un enfant. Colin, non, mais... Et François a dit, perso, j'étais venu pour les chips. Enfin, il est venu regarder le film. Coquin, là. Ok, donc par rapport au background du synopsis, donc on est en 2019, 20 ans après un cataclysme nucléaire, tous les êtres humains sont stériles. Et là, le film commence très très bien. C'est ça le pitch ? Ah, mais t'inquiète, j'ai pas fini là. Attends, c'est le début. J'arrive au meilleur. New York, c'est une ville dévastée comme le reste de la planète, mais dans cette ville post-apo résident les méchants nazis, enfin bon, on va dire des fascistes, responsables de la fin du monde as we know it. Donc grosso, ouais, c'est des méchants fascistes habillés en latex, voilà, ça aurait pu être du Jean-Paul Gaultier, mais encore une fois, très très low cost. Donc voilà, là je vous vends tellement bien le truc. Voilà, et les méchants, ils font des expériences sur les survivants pour essayer de les rendre fécondes ou de trouver donc une femme féconde, parce que, alors le film commence dans le désert du Nevada, hors de la portée de main de la milice du Turfu. Ouais. Ça commence par oh, un combat à mort en bagnole, mais genre mal cadré sans aucune tension. Attends, wait. Combat à mort en bagnole. Ouais, t'inquiète. mais sauf que. T'inquiète, regarde. La séquence dure 6 minutes de voitures qui font des tours dans le sable. C'est ce qui passe actuellement. Voilà, mais ça dure 6 minutes. C'est ignoble. Mais attends, mais. Enfin. Comment tu montres 6 minutes de voiture qui se tape? Mais je sais pas. Au bout de 2 minutes, t'as fait le tour, genre... C'est une prouesse cinématographique. Sauf que là, la fin de ce combat en bagnole va vous surprendre. une vidéo YouTube. Ouais. Donc après qu'elles aient fait des trucs en rond, le héros gagne. Le héros qui s'appelle Parsifal, petite influence wagnérienne, je crois. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Une esclave sexuelle hermaphrodite. Une esclave sexuelle hermaphrodite qu'il va libérer quelques mètres plus loin. Ok. Voilà, c'est un film très progressiste pour l'époque, nous noterons. Voilà. Mais sauf que du coup, les soldats arrivent, récupèrent le héros Parsifal, ils vont en Antarctique où réside le dernier gouvernement légitime des États-Unis d'Amérique. En Antarctique. En Arctique. Et sa mission est de trouver la dernière femme féconde sur Terre. Oh. Conservée par un scientifique infiltré à New York. Voilà. Ça sonne comme The Walking Dead, mais vas-y, non, vous avez pas les mots, c'est normal. Il y a une dernière femme féconde, ok. Mais pourquoi il veut aller la chercher? Bah pour la féconder outrageusement. Mais parce que tous les humains sont stériles. Parce que nous, lui rentre dedans pour que la planète... Un anar, gueule, ça passe, vous savez. Non mais attends, mais... c'est n'importe quoi. Pourquoi lui? Alors, mais tu vois, en fait, je voulais en venir... L'ego des briques. Ryan est en mode... Mais cet homme est bizarre. Si je devais... Pardon de te couper, briques, mais genre, parle pas en même temps que nous. Non. Attends, on doit la parole, parce que j'entends pas, briques. Ce film est une orgie de... Mais... Voilà, vous faites ça tout le long du film, et de gloobie-boulga de vomi saveur vanille, je dirais. Okay. Mais c'est la saveur vanille qui rend ça intelligent. Mais non, vraiment, c'est très très bizarre. Donc voilà, par rapport au décor, c'est essentiellement usine désaffectée, centrale, décharge, avec un rendu très carton-pâte, mais quand même, le film garde une cohérence. Enfin, le mec avait pas de moyens, mais il a tout donné, il a mis son cœur et ça se voit. Mais honnêtement, ça a pas l'air si... Enfin bon, après c'est bien, ça a pas l'air si moche. Honnêtement, c'est mal fait même. Enfin, des costumes de singes, des hommes rats asiates, forcément. Enfin, c'est un film progressiste, mais bon, si on est un peu progressiste, on peut être un peu raciste aussi, voilà. Franchement, basé sur la bande-annonce, les effets spéciaux ont pas l'air trop dégueux. Franchement, c'est du mauvais Mad Max. Mais c'est un univers sale, mais cohérent. Mais parce qu'en même temps, la saleté
peut rentrer aussi dans le jeu du post-apo et voilà quoi. Ouais. J'ai pensé à la pub de Mister Clean, désolé, Mister Propre. Désolé. Mister, pourquoi tu penses à Monsieur Propre maintenant? T'as dit la saleté, je suis désolé. Oh boy. Mais genre on dit saleté, tu penses à Monsieur Propre. Bon, chacun parce que c'est la saleté, voilà, il a hein. pas trop dégueu, il a fait, bah, c'est... Bref. T'as eu une enfance difficile. C'est compliqué, Victor. Vas-y, on va te laisser boire de l'eau. Emmerich, pardon. Vas-y, voilà. Et donc voilà, j'arrive à la fin. Bon niveau, ouais, je rassure les décors en maquillage. Bah, les nazis sont en latex noir. D'ailleurs, ouais, dans le bureau des méchants, il y a un tableau de Guernica. S'il y a des philosophes dans le coin, essayez de comprendre quel est le... la voilà. métaphore, que sais-je. Voilà. Il y a des hommes singes. D'ailleurs, Big Ape, le chef des hommes singes, qui est le connard. Attends, pardon. Désolé, t'interromps ce film. Oui, il y a des hommes non, singes. Non, mais attends, non, mais c'est pas ça, mais quand même, genre... Big Ape, ça veut dire gros singe, et oui. Le chef des singes s'appelle Gros Singe. Tout à fait, Thierry. C'est nul comme. Mais ce film, c'est un mélange de vues, revues, de nul, de tout fait. Mais même dans le livre de la jungle, le chef des singes, il s'appelle Roi Louis, tu vois. Non, mais là, je te trouve un petit peu trop imaginatif. Le budget créativité, il va y passer, Ryan, hein, tu fais gaffe. Non, voilà, c'est vraiment génial. Et puis en vrai, bon, enfin. Très simple, ils avancent de... Enfin, ah oui, parce que le mec, Parsifal, il part pas tout seul, il part avec un capitaine crochet et le débile de Pirates des Caraïbes, borgne, là. Pourquoi ? T'inquiète. Ça t'inquiète. Donc voilà, enfin, franchement, ils avancent de traquenard en traquenard, tous plus cons les uns que les autres, ils rencontrent une meuf bonne pour que ça fasse durer le film. Mais elle est stérile. Ouais, mais t'inquiète, c'est une histoire d'amour qui finit de manière aussi plate qu'elle a commencé, d'ailleurs, la scène de sexe totalement surréaliste, en milieu des hommes singes, enfin... What? Non, enfin, wow. C'est concours de kékettes pour savoir qui c'est qui va la tringler. Enfin, oulala. Tu sais qu'en vrai, tu me donnes envie de le voir juste pour savoir. Mais ce film, c'est tellement n'importe quoi, mais du n'importe quoi, tellement cohérent et abouti. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, donc entre violence, incompréhension, humanisme, déshumanisation, ouais, la fin, là, c'est quand même un gros goût de. Mais je peux pas vous spoiler la fin. Ah ouais, mais, non, spoil pas, je veux le voir. Vous restez vraiment comme ça en mode. Wow! Voilà. Donc voilà, ce film est une orgie de mai, mais surtout, nous avons affaire à un film progressiste, puisqu'il pose la question qu'aucun autre film n'a jamais posée. Est-ce une faute grave d'être un nain? Bah, je vous laisse méditer là-dessus. C'est vrai que... Ouais. Parce qu'ils sont aidés par une petite troupe d'hommes nains aussi dans le film qui les aide à avancer parce qu'ils sont un peu... Parles-tu de nains, l'espèce? Les nains, le nanisme. Non, les nains, les, non, le nain, les hommes, les hommes nains okay. atteints de, les femmes atteintes de nanisme. Non, mais très bien, mais c'est juste une question. Voilà, donc malgré ses défauts, ce film est progressiste, je dirais. Ça me fait énormément penser à... Est-ce que t'as regardé Chroma, la série de Karim Debbache? Karim Debbache, ouais. Ah ben, son premier épisode porte sur Troll 2. Et qui sont... Ah ouais, la grosse merde là, ouais. Oui, voilà. Ouais, et en fait, justement, c'est exactement le film dont... Enfin, le même genre de film dont parle Emmerich, les gros nanars. Ouais. Je vous mettrai le lien de l'épisode en description. Et en fait, ce film a eu un documentaire sur lui. Ouais, c'est assez bizarre, un documentaire sur un film. Ouais. En gros, il a été qualifié du best worst movie. En gros, le meilleur des pires films. Wow. Parce qu'il a une histoire, mais qui est catastreuse. Il est, même pour l'époque, il est très très moche. Ouais, du coup il est incohérent as fuck, mais quand même vraiment, enfin j'ai pas pu voir le film, mais sur le peu d'extraits que j'en ai vu, on sent vraiment que le réalisateur il a voulu faire quelque chose. Ouais, tu sens qu'il y a le cœur derrière. Mais ouais. Et dans le documentaire, en fait, genre en gros il est dit, ben le, comment dire, le gars il comprend pas pourquoi est-ce que les gens aiment son film parce qu'il est nul, alors que lui, genre, il a donné toute sa bonne volonté pour faire un truc bien, quoi. Oh, et ouais, c'est dur. C'est triste. En vrai, ça, c'est triste. C'est triste. Oui, oui, non, c'est triste, mais. Ouais. Ouais. Enfin, je vous mettrai l'épisode en commentaire. Ouais. Mais bon, bye. Enfin, Troll 2, c'est exactement comme je viens de le vivre. J'ai envie de le voir pour voir. Mais c'est une expérience. Ben, on se fera une soirée canapé, les mecs. Hein. Chaud. Grosse soirée. J'attends de voir ce film. Ah mais vraiment, du ouf. Voilà, passerait-on pas à la suite? Passons à la suite, voilà. En toute innocence. Oh, mais quelle transition! Ryan, je veux que tu fasses un dab. Tu es sûr? Je suis sûr. Allez! Et donc du coup, oui, pourquoi est-ce que ce jeu de mots, vous ne l'avez pas? Parce que voilà, je vais parler de la série Netflix, Les Innocents, qui est une série Netflix, du coup. Et en fait, on va rencontrer une jeune fille dont le nom m'échappe. Le nom m'échappe totalement. Ah, je sais pas. Et son copain qui en fait vont partir en fugue. Ça ressemble énormément à une série romantique toute plate, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a un parallèle avec une comment dire,
une histoire où on comprend pas trop à quoi elle sert au début et on comprend qu'à partir de quelques épisodes à quoi elle sert. Bref, je vais vous parler juste du couple qui s'échappe, il doit avoir 16 ou 17 ans. Et le souci, parce qu'il y a un souci, c'est que la fille peut en fait changer d'apparence, mais elle le contrôle pas. Et c'est un pouvoir qu'elle avait jamais découvert. D'accord. Et... C'est pas pompé sur Martin Matin. Toi, fais gaffe. Quoi ? Non. Toi, fais gaffe. Non. Martin Matin se réveille avec de nouvelles capacités tous les matins. Elle non mais juste... vous voulez bien arrêter s'il vous plaît ? Pourquoi ? Il y a des traumatismes ici. Ah, Martin Matin, t'es Victor Martin. Oh, miskine. Non mais si tu te sens persécuté, c'est pas notre. Je vous emmerde. Du coup, c'est une série qui est créée par Simon Duric et Anya Elkington. Il y a 8 épisodes, donc c'est une série qui est assez courte dans le monde des séries. D'accord. Ça se regarde assez facilement, comme je disais, c'est britannique, donc du coup, les acteurs ont un anglais qui est facile à comprendre, ce que je n'aime pas, l'accent américain. Bon bref, ça c'était mon coup de gueule perso. Voilà, j'avais envie de râler. Et donc petit à petit, je vais pas spoil, juste ce que je vous ai raconté, c'est juste dans le premier épisode, mais c'est super prenant. C'est très psychologique, on n'est pas vraiment sur on va suivre le couple qui fait sa fugue, genre vraiment ça on s'en fout, mais vraiment sur comment est-ce qu'elle va aborder ses pouvoirs. Il y a deux gars qui la connaissent, qui connaissent son nom, son prénom, et moi non, qui connaissent son nom et son prénom, et alors qu'elle est genre ouais t'es qui. Ouais. C'est vraiment bien fait, je vous invite à regarder si vous aimez bien tout ce qui est thriller, psychologique, etc. Attends, je te coupe 5 secondes. J'ai une fulgurance qui m'a traversé le cerveau, une fulgurance qui s'appelle Colin. Est-ce que son nom ne serait pas June, Ryan ? Tout à fait. Merci Colin. Okay. Il était là. Oui, ouais, j'aurais pu le mettre dans mes notes en fait, tout court. Ouais, le trailer, enfin je trouve. Que... il est assez mystérieux le trailer. Hein. Parce que en commentaire, je vois des commentaires sur des jeux de fruits, de la bouffe et voilà. Pourquoi vous parlez de Mike, pourquoi tu parles du Finistère ? Les enfants, est-ce qu'on peut ne pas s'arrêter à tout voilà, ce que dit le chat ? Sinon, on va pas s'en sortir. Oui. Ouais, merci. Super. ouais, du coup, le trailer, je le trouve pas du tout évocateur de ce qu'est la série. Mais enfin, moi, je l'ai regardé parce que c'était dans mes suggestions. Il laisse pas transparaître grand-chose ? Bah oui, c'est ça, genre. Il attise la curiosité. Ouais, bah ouais. En fait, je voulais mettre d'autres trailers, mais les autres trailers spoilaient un peu, je trouve. Et donc, du coup, voilà, vous avez juste ce teaser qui évoque pas grand-chose. Est-ce que ça t'a donné envie, Victor ? Ouais, oui. Ouais, à tester. Et surtout que du coup, si c'est que 8 épisodes, tu vois, ça se. Ouais, je pense que ça se. Ouais, tu réfléchis long terme et l'investissement, non, ça va. En vrai, oui, parce qu'il y a plein de séries, c'est interminable. Bah, de moins en moins. Hein. Les séries, genre, elles vont vraiment du. Qui se finissent pas ? Non, des séries où, tu sais, t'as. Bah, comme. Comment dire ? Comme avant, tu sais, je pense à genre Prison Break, t'as 4 saisons de 24 épisodes de 40 minutes chacun. Ouais. C'est un peu long. Ouais, c'est méga long et bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu une grève des scénaristes à Hollywood qui a fait que toutes les séries se sont contractées. Ils ont bien raison. Ben, je sais pas parce que tu vois, Breaking Bad, c'est long, mais j'ai vraiment accroché. Ah ouais, moi, là, je pensais à Supernatural où tu dois avoir 12 saisons. C'est pas un truc pour ados, ça? Mais je regarde pas. Moi, je regarde pas, c'est mon petit frère. Hein. Non, en vrai, j'ai vu que la saison 1, mais j'ai arrêté tellement ça m'a. Je trouve ça un peu laborieux. Enfin, c'est récurrent. Et 12 saisons. Enfin. Attends, il y a 12 saisons de Supernatural ? Il y a 12 saisons. Waouh ! Si je ne dis pas de bêtises. À checker, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ça doit être tellement long. C'est très long. C'est pour ça que tu ne feras pas la blague que je crois que t'allais faire. Non, j'ai tellement. Je te jure. Que j'ai tu tellement peux la, tu pas peux, pensé. Tu peux la faire, ouais, tu peux la faire. Bah non, ça. Bah, maintenant, je l'ai un peu désamorcé. Genre, c'est un peu bête de faire une blague. Non, alors là, Ryan m'a attribué une pensée. Cool. Jamais j'aurais pu lancer un comme ma bite. Bon, si, tout à fait. Mais je te jure, j'ai pas pensé. Ok, non, okay. Voilà. Très bien, très bien. Et bien, et toi, est-ce que ça t'a donné envie, Emric ? Bah ouais, je suis curieux. Moi, ouais. Bon, après, t'as regardé 2019, la suite de New York. À partir du moment où je regarde ça, je pense que je peux tout regarder, vraiment. J'avoue que... Non, ouais. Non, j'ai pas de limite. Tu me dis essaye, j'essaye. Ok. À ne pas sortir de son contexte. Bien entendu. Tout ce qui a été dit ici restera ici. Et sur Facebook pendant oui, bien années. Sûr. Du coup, si vous avez des... Parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin. Oh, ouais, faites genre, vous êtes déçus. Ah, oh bah oui, non. Non, du coup, si vous avez, je sais pas, des questions ou des trucs à nous demander, non, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Balancez dans les commentaires. Vous pouvez effectivement faire ça. Mec, mais tu cultives le malaise. Ah ouais, carrément. C'est vraiment impressionnant.
Mais du coup, c'est assez, parce que pour ma chronique actu, genre, c'est assez frustrant parce que des fois, il y a des actus qui sortent, tu sais, dans le week-end. Ah. Ouais, genre, du coup, t'as pas le temps de les. Mais comme j'ai préparé ma chronique le vendredi, et du coup, voilà. Il y a une autre actu fulgurante là que tu vois, t'as sous les yeux. Je l'ai pas sous les yeux, mais j'y ai pensé. Ouais. J'avais parlé de Dark Phoenix l'an dernier. Ah. Oui. C'est un film qui, du coup, a subi beaucoup de retard, etc. Et qui. Je parle assez proche du micro, vous m'entendez. Et qui est encore repoussé. Ouais. Ah ouais, genre c'est repoussé à juin 2019. Ah sérieux, ah, justement par rapport à ça, je sais il y a des pas mal d'internautes qui ont demandé pourquoi du coup ça s'appelait Dark Phoenix et pas X-Men Dark Phoenix. Et du coup la réal et la prod ont amené derrière le fait que en fait ils voulaient cultiver l'univers X-Men mais pas faire du X-Men à chaque fois. D'accord. Et là du coup le film serait vraiment centré sur Jean. Okay. Et donc voilà, ça serait pas un X-Men, ça serait son film. Effectivement, bah il y a les X-Men dedans vu que c'est un univers partagé. En même temps, si on a encore un peu de temps que je parte un petit peu dessus, ouais. C'est vrai que quand on parle des films X-Men et qu'on voit l'univers X-Men dans les films, je parle pas des comics, hein, mais dans les films, il y en a vraiment deux ou trois qui sont mis en avant et le reste, enfin. Ah non, je suis pas d'accord. Quand même, je trouve que bah c'est là, ils essaient de plus en plus de diversifier, mais au début, oui, bah t'as un moment quand tu vois plus de Wolverine, tu. Bah là, tu vas pas le voir beaucoup. Du coup, Wolverine, c'est. Spoiler alert, pardon. Mais du coup, est-ce que Wolverine c'est fini ou est-ce qu'ils vont nous en retrouver un nouveau? Mais chaud. Franchement, il y a un moment, moi je trouve ça trop. Ouais. Ah bon? Bah, moi, X-Men, j'aime bien. Même si c'est. Justement, j'irais contre X-Men, mais. Quand tu parles de X-Men, en fait, à la fin, ça finit que sur Wolverine. T'as des passages, mais non, dans les X-Men. Grâce à Logan et au reboot, entre guillemets, par quiz spatio-temporel, là, on peut repartir sur une base plus saine, entre guillemets, pour faire un truc plop. Mais qu'il fasse un truc bien. Propre, pas plop, ouais, parce que c'est justement, je pensais au plop, j'ai peur que ça fasse un plop. D'accord, pareil. J'attends de voir. Moi, je suis bienveillant, j'attends de voir. Et du coup, Dark Phoenix, on attend. Ouais, on verra en juin. On verra. Bah sur ce, on peut dire au revoir à nos chers viewers. Qu'on peut gentiment vous dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir suivi. Ouais. Et puis à bientôt tout le monde. J'espère que ce nouveau format graphique déjà vous plaît. Oui. Exact. Oui, tiens, on a un nouvel affichage. Non, en vrai, stylé. Que ce soit le local ou ce que vous avez là-dessus, là, tout autour de nous. Enfin, j'espère que ça vous va. Et puis on vous dit à bientôt avec la nouvelle génération qui arrive, du coup. Oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait. Je serai peut-être là de temps en temps quand même. Peut-être. Tu passes une tête, tu fais coucou, oui. Tu passes une tête. Sinon, qui va faire des bides à ta place, Victor? Ouais, mais ça va être. On n'aura plus les bides. Non, mais vous allez voir quand le taux de vue il va faire boum sans moi. Hein. Ouais. Mais vite, ça fait les vues. On t'appellera. Ça marche. Bye tout le monde. Eh bien, du coup, au revoir tout le monde. À plus. Bye.